l'OTAN, les talibans, fait justice pour l'Afghanistan. Alors, l'OTAN est venu, la paix sera défendue. Alors, ce slogan, c'est parce qu'aujourd'hui, on nous vend l'OTAN pour remplacer la paix venue. L'OTAN, c'est 27 pays, c'est un groupuscule. C'est eux, les groupuscules, c'est pas nous. Nous, on veut un système de sécurité international. Et pas uniquement une alliance militaire. On a mis le capitalisme en crise. Prépare les guerres de demain. Alors non à l'OTAN, car la guerre elle répond. Oui à l'ONU, la paix sera défendue. Non à l'OTAN, car la guerre elle répond. Oui à l'ONU, la paix sera défendue. Non à l'OTAN, car la guerre elle répond. Oui à l'ONU, la paix sera défendue. On n'en a pas pour l'armement, l'OTAN c'est l'argent. On n'en a pas pour l'armement, l'OTAN c'est l'argent. On n'en a pas pour l'armement, l'OTAN c'est l'argent. On n'en a pas pour l'armement, l'OTAN c'est l'argent. Warning, keep warning. Warning, warning. Warning, warning. This is a nuclear attack. Keep warning, warning. Say no to the NATO. Say no, 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 no to the NATO. On vous invite à faire un sit-in tranquillement, puisque nous négocions ce parcours kilomètre après kilomètre. Ça s'appelle la démocratie. Bienvenue à tous les camarades qui se croyaient dans le pays des droits de l'homme et de la femme. Eh bien, nous attendons les autorisations et le formulaire B28 numéro 5 de la préfecture du Bas-Rhin pour continuer notre parcours. En attendant, restez calmes. Groupé, uni, motivé. Est-ce que vous êtes motivé? Oui. Oh là là. Est-ce que vous êtes motivé? Oui. Pas beaucoup, hein. Bon. Ah mais je comprends pas. Il y a du monde jusque là-bas, mais on n'entend rien. Est-ce que vous êtes motivé? Oui. Alors c'est du bruit. Exceptionnellement aujourd'hui, on a le droit de faire du bruit. Mais ce soir, nous vous invitons à regarder TF1 pour vous relaver le cerveau de toutes les mauvaises idées que vous avez eues aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes chaud? Bien. Alors, est-ce que vous êtes déterminé à faire du bruit, à vous faire entendre? Bien. Alors aujourd'hui, le collectif anti-OTAN, les associations, les organisations intermondialistes, les syndicats, le mouvement associatif, tout le monde est là, massivement dans la rue. Et pourtant, ils nous ont empêchés. Ils ont essayé de tout faire pour ne pas. Et même maintenant, un camarade essaye de m'empêcher de parler. Chers amis, chers camarades, comme prévu, on va attendre quelques minutes. Mais nous aurons le droit de manifester. C'est une affaire de 5 minutes. Donc on reste dans le calme et dans 5 minutes, on a l'assurance que le dispositif part et que nous allons pouvoir avancer. On continue de crier non à l'OTAN, non à la guerre. Non à l'OTAN, non à la guerre. Non à l'OTAN, non à la guerre. Spéciale dédicace à nos camarades de Guadeloupe et de Martinique. Assez pleurer, nous lutter. Assez pleurer, nous on va lutter. Et on va suivre cet exemple-là, parce qu'il y en a marre. Il y en a marre du monde libéral, il y en a marre des seigneurs du monde qui saignent l'Afrique, qui saignent le tiers-monde. Et maintenant, on va y aller, maintenant que nos camarades CRS nous ont libéré le passage. Est-ce que vous êtes chaud? À la fête du bruit! Est-ce qu'il y a du monde dans la place? Cette co-responsabilité à des amis qui sont devant,
qui négocie avec les forces de l'ordre. Vous avez vu que les forces de l'ordre viennent de reculer. Je voudrais remercier notre ami des Bouches-du-Rhône qui est avancé, pour ceux qui en derrière n'ont pas vu, qui s'est avancé seul, nu, face au CRS. Un bel acte de résistance non violente. Bravo à lui. Bravo à lui. Et je pense que probablement par cet acte d'amour, hein, eh ben il nous a fait faire un pas. Voilà. Et la construction de la paix, c'est ça. C'est des pas après des pas. Si c'était simple, ça se saurait. Si c'était simple, ça se saurait. Hein.